Alors, salut les gars, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Ça fait un bail que j'ai pas fait de vidéo, c'est vrai. Maintenant, aujourd'hui, on est là pour vous expliquer des failles, c'est-à-dire des failles sur FIFA. Déjà, nous avons en première tranche FIFA et le table pro. Alors, je suis là, je me nomme Cameron, comme je vous l'ai dit, et on est là pour faire des vidéos sur des failles et des pronostics. Aussi, j'ai un canal Telegram qui est là, je vous le présente. Ne faites pas attention à la photo de profil, c'est moi qui ai choisi. C'est un canal de film en même temps. Vous avez remarqué que mon autre canal n'existe pas. Ouais, c'est vrai, ça n'existe plus. Donc, du coup, c'est le nouveau canal. C'est pas un nouveau canal, mais je l'ai récupéré parce que c'est un canal perdu. Alors, je l'ai récupéré parce que c'est à moi, c'est mon canal, c'est à moi. Donc, du coup, on va retourner dans le bookmaker. 888 stars. Donc, j'ai un code promo Cameron qui s'écrit en majuscule. On l'utilise avec les bookmakers qui sont 888 stars, Paripézia et Linebet. Du coup, nous allons commencer le processus. Comme vous le voyez ici, là, ça vient juste de perdre. C'est le table pro. Alors, ici, ce sont les FIFA. Comme vous le voyez, nous avons beaucoup. Parfois, ça perd parce que c'est une faille, mais tu perds peu. Maintenant, regardez, regardez ici, regardez là, vous voyez, c'est presque les mêmes équipes, regardez l'équipe là, regardez, non, c'est pas ici, regardez cette équipe, il a gagné ici, mais ici, il a perdu, donc nous allons voir cette équipe, il a encore gagné ici, il a encore gagné, il a encore gagné, ici, l'équipe Liverpool a gagné, c'est trois matchs, non, c'est deux matchs, alors... Le Real Madrid a gagné ces deux matchs, les gars. Voilà, donc de retour, c'était juste un petit problème. Donc, comme vous le voyez, il a gagné ici aussi. Ici, c'est perdu. Donc, dans ces trois tranches, tu perds une seule, un seul match et tu gagnes les deux autres. C'est comme ça. Donc, alors, pour trouver ce genre de match, les matchs qui sont doublés, soit à 3 ou bien à 4, avec une seule équipe qui joue, donc... Nous allons voir ici, nous allons aller d'abord dans l'onglet FIFA et nous allons dans FIFA Penalty 23. Donc nous appuyons. Comme vous le voyez, nous n'avons toujours pas un match à 3. Donc nous allons chercher dans le FC 24. Peut-être nous. Voilà. Comme vous le voyez ici, c'est une tranche de 3 à 3. Vous voyez, Arsenal joue ici, joue là, joue là. Ici, il joue à domicile, ici, il joue à l'extérieur, ici aussi, il joue à l'extérieur. Donc, comme vous le voyez, il y a deux cotes qui sont identiques. Donc, ici, on a plus de chances de perdre et là, on a plus de chances de gagner parce qu'il joue à Real Madrid x2. Donc, c'est un match qui s'est doublé en deux. Donc, ici, on va miser tout simplement. Alors, on va aller avec la mise. Si, par exemple, vous avez 1000 francs, vous misez 250 sur les trois matchs et vous allez récupérer plus un bénéfice de 200. Donc, moi, je vais mettre 25 000 sur chaque match. Voilà. 25 000 sur chaque match. C'est-à-dire, on mise maintenant sur la victoire de Arsenal. D'Arsenal. Donc, 25 000 sur chaque match. Ok. Donc, c'est fait. Regardez. Donc, nous allons attendre. Forcément, une d'entre eux va perdre. Mais nous allons prendre, les récupérer les deux. Donc, comme vous le voyez, ici, nous avons une mise de 75 000. Donc, du coup, nous aurons une mise de 75 000. Nous avons une mise de 75 000 francs. Donc, nous allons récupérer n'importe quel, même si c'est le 58 000 qui va perdre, mais nous allons récupérer les deux autres. Et nous allons avoir aussi, je crois, 15 000 francs ou 20 000 francs de bénéfices comme ça. Donc, vous voyez, c'est une astuce très très simple, les gars, que moins de parieurs ont vraiment, voilà, donc, ont vraiment pas pu. Donc, ici, nous allons juste patienter. Comme vous le voyez aussi, nous pouvons choisir les fois de mai, les équipes en deux tranches. Voilà, comme ici Liverpool joue à domicile, là-bas joue à l'extérieur. Donc, c'est très risqué. Tu peux ne pas récupérer tes gains. Donc, moi, tu peux ne pas récupérer tes gains. Bon, interdit de toucher aux autres FIFA. Donc, soit c'est le FIFA FC 24 ou c'est le FIFA Penalty 23. Interdit aussi de toucher aux autres FIFA, les deux FIFA là qui n'ont pas de prénom. Alors, comme vous le voyez, nous allons juste couper la vidéo, je crois, et nous allons attendre. Donc, du coup,
je vous dis de rejoindre mon canal Telegram. Le lien sera en description. Et puis, vous allez ici, à la dernière publication, vous verrez juste ici le lien de registration Linkwish bonus. Donc, vous allez prendre ce lien-là et vous allez, voilà, vous allez vous connecter avec un lien en un clic avec le code promo Cameroun. Du coup, on va juste attendre, patienter que ça vient. Après, nous allons, bon, après, nous allons, voilà, nous allons, je vous dis et je vous le redis, juste une seule match, un seul match va perdre. C'est trois matchs que vous voyez. C'est un seul match qui va perdre. Je crois que c'est celui-là qui va perdre, oui. Bon, ça peut être à forte chance que deux entre eux soient pairs. Mais bon, on verra après. Donc, voilà. Nous allons juste patienter. Comme ici, regardez l'exemple ici. Là et là. Voilà. Donc, ça sera la même chose avec ici. Donc, j'ai remarqué cette faille depuis 3 jours. Je suis en train de l'appliquer depuis 3 jours, les gars. Donc, par exemple, si vous avez 1000 francs, vous faites ici 250, ici 250, ici 250, ça fait 750 et vous avez récupéré une somme de 1300, 1200 comme ça. Donc, vous voyez, vous avez récupéré plus un bonus de 200 ou bien de 350 de cette façon. Donc, tout ça avec grâce. Donc, vous allez juste, nous allons juste attendre que ça vienne. Donc, nous allons juste couper la vidéo et puis nous allons attendre. Alors les gars, de retour, comme vous le voyez, le premier coupon, moi qui pensais que ça allait perdre, a finalement bah, gagné et payé aussi. Donc nous allons attendre pour ce coupon et celui-là aussi. Voilà. Donc, passons, comme on va attendre en ce temps-là, nous allons retourner ici. Et nous allons rechercher table de football pro. Table football pro. Random match. Donc, comme vous le voyez, à chaque match, il y a au moins 5 buts ou plus. Donc, les gars, il y a rarement qu'on voit un match qui a 4 buts comme ça ou quelque chose. Parce que même les totals, il y a toujours un total de 5 buts. C'est pas qu'un code de 34 ou 35. Un 35 ou un 34, comme vous le voyez ici. C'est le cas. Du coup, nous allons prendre et nous allons mettre, je vais voir, nous allons mettre combien? Bon, nous allons mettre 50 000 dessus et nous espérons que ça va entrer. Du coup, voilà, donc nous allons juste patienter avec ça parce que c'est cette faille. Donc, pour savoir si le match aura si, soit... 5 matchs, 5 buts comme ça, il faut regarder le total moins. Le total moins différencié au. Voilà, différencié au total deuxième, au total plus de deuxième là. Je sais pas si vous comprenez quoi. Pas facile de comprendre cette astuce. Je vais expliquer. Alors, le match, ça va bientôt commencer. Du coup, ici aussi, on va attendre. Voilà, le match aussi va commencer dans quelques minutes. Donc, nous allons juste couper la vidéo pour attendre. Alors, les gars, comme vous le voyez, les deux sont perdus. Et le premier est donc gagné. Donc, nous avons perdu 50 000 francs ou 25 000 francs comme ça. Alors, les gars, ici nécessite vraiment un pronostic. Donc, nous allons retourner là où on était de tout à zéro. Et je vais vous expliquer. Alors, on dirait que j'ai pas fait de... Réelles explications. Alors, du coup, je vais en faire. Comme vous le voyez là, les gars. Alors, nous allons passer au live. Si vous voyez deux équipes comme ça, c'est-à-dire comme ici, Arsenal ici, et là, ici aussi. Du coup, vous allez voir d'abord les codes. Regardez bien les codes là et là. Ah, attendez là, attendez. Regardez là. Regardez bien ces cotes. L'autre a 1,77 et celui-là a 1,92. Du coup, personne ne comprend ici. Alors, nous allons chercher une solution pour ça. Donc, nous allons aller voir. Si on prend, par exemple, 1,77 plus 1,92, donc ça nous fait deux cotes 2 comme ça. Ici aussi, on fait aussi 2 plus
Du coup, comme je l'expliquais, donc nous avons plus de chances que que Arsenal gagne ces deux matchs. Du coup, on va redonner sa victoire sur 25 000 chaque match. Alors. Voilà. Donc, je suis certaine que ça va entrer. Donc, comme vous le voyez ici, on aura une cote de 3. Et là, on aura une cote de 2. Donc, on ne touche pas à ce match. Il faut que ces deux équipes-là soient une cote 2 et ces deux équipes-là soient une cote 3. Donc, nous pouvons donner la victoire de l'autre. Alors, nous allons ici. Et comme vous le voyez, le match est bien validé avec un 5,5 plus. Alors, nous allons retourner et nous allons choisir un autre match. Comme vous le voyez, vous venez, vous entrez dans un random match et vous allez choisir dans un match, soit il a commencé ou soit il n'a pas commencé. Vous prenez, bon, ici, il n'y a plus. Donc, vous allez ici, vous prenez un match. Vous allez ici dans Total, là. Donc, vous allez descendre cette petite flèche et vous allez prendre le Total plus de 5,5. Alors, moi, je vais prendre. Je vais remettre ici 25 000. Nous allons jouer en attendant que nous allons attendre. Donc, les gars, j'espère que vous avez compris. Ici, je vais récapituler encore une fois. Je vais aller dans FIFA. Ici, regardez. Si, par exemple, il y a deux équipes qui se ressemblent, il faut calculer ses cotes. Alors, si on obtient une cote de 2, si on obtient une cote de 2, alors nous allons assurer sa victoire. C'est-à-dire en additionnant ici et là, nous allons additionner ça. Et quand on obtient un code de 2,92 comme ça, ou etc. Donc nous allons assurer sa victoire. Tandis qu'avant d'assurer sa victoire, il nous faut d'abord calculer aussi ces deux cotes. Si ça nous donne une cote supérieure à cette cote-là, donc nous allons assurer la victoire des deux équipes. Alors, si cette cote est inférieure à cette cote-là, donc on ne touche pas au match, qui est comme ici, cette cote est supérieure à l'autre, donc on ne touche pas ce genre de match, parce que il y aura des difficultés à... Voilà. Donc, là-bas, c'est fini. L'astuce concerne le FC Penalty 24 et le FIFA Penalty 23. Donc après ça, nous allons dans le tabre et nous allons dans Random, tabre Football Pro. Alors nous allons juste choisir un match, voilà, qui n'a pas encore commencé. Nous allons appuyer là-bas et nous allons descendre jusqu'en bas pour choisir le total. Donc faisons descendre cette flèche en rouge et nous allons prendre le total plus de 5,5 qui est juste là que j'ai bien misé. Donc, du coup, les gars, c'était tout pour aujourd'hui. Donc, vous allez aller dans mon canal Telegram. Vous allez rejoindre, ça sera en description. Vous allez rejoindre mon canal Telegram et vous abonner à la chaîne. Activer la cloche de notification pour plus de vidéos. Parce que vous avez ce début de semaine, ça va vraiment péter dans ma chaîne YouTube, les gars. Ne ratez rien du tout. Activez la cloche de notification pour ne pas rater les astuces qui sont là. On a beaucoup d'astuces, les gars. On a beaucoup d'astuces. Et aussi. Passons, les robots vont revenir. Les robots de pronostic vont bien revenir, les gars. Donc, merci d'avoir regardé cette vidéo jusque-là. Je vous remercie et merci encore une fois. Donc, je vous souhaite une très bonne nuit, vraiment.